unique pour la route. Le système d'injection monopoint des rovers série 800. L'injection monopoint est un nouveau procédé d'injection d'Austin Rover, le premier d'une nouvelle génération de gestion intégrale du moteur. L'injection monopoint allie l'efficacité et la précision d'un injecteur unique contrôlé électroniquement. Elle représente un pas en avant par rapport au carburateur traditionnel. L'injecteur est monté en position centrale dans le corps de papillon et il injecte du carburant vers la face supérieure du disque de papillon. De même qu'il y a un injecteur unique, il y a également un dispositif de contrôle électronique DCE unique pour gérer l'allumage programmé et le système de gestion du carburant. La quantité de carburant fournie est calculée par ce DCE en fonction des informations amenées par 6 capteurs situés autour du moteur. La quantité d'essence fournie est déterminée à la base par le régime moteur et la charge appliquée à celui-ci. Le signal du régime moteur est reçu à partir d'un capteur situé près du vilebrequin. Celui-ci est adjacent à un disque réducteur monté sur l'arrière du volant moteur. Sur ce disque réducteur, deux intervalles situés à 180 degrés l'un de l'autre permettent au moteur de déterminer les points morts hauts des cylindres 1 et 4 et des cylindres 2 et 3. Cette information est utilisée par le DCE pour calculer d'une part la durée de base de la pulsation d'injection et d'autre part le calage de l'allumage. Une canalisation comportant un séparateur de carburant est reliée d'une part à la sonde manométrique du DCE et d'autre part à la tubulure d'admission. Ceci mesure la pression absolue régnant dans la tubulure et plus cette pression est élevée, plus la charge appliquée au moteur est elle-même élevée. Si cette canalisation est endommagée ou débranchée, le DCE enregistrera une pression d'admission anormalement élevée, ce qui aboutira à une carburation trop riche. Ainsi, il est important de contrôler des anomalies aussi simples que des prises d'air ou des raccords débranchés avant de mener à bien un diagnostic de longue durée. Normalement, l'injecteur s'ouvre deux fois par révolution de vilebrequin, sauf dans le cas où la durée de la pulsation est inférieure à 2 millisecondes. Dans ce cas, l'injecteur ne s'ouvre qu'une seule fois par tour moteur. Lors des périodes de montée en température, plus de carburant est fourni par une pulsation plus longue de l'injecteur. Le DCE détermine la température du moteur et de l'air environnant en utilisant des signaux reçus par deux capteurs, le capteur de température d'eau et le capteur de température d'air ambiant. Le DCE modifie également la longueur de la pulsation de l'injecteur pour compenser tout changement de la température de l'air d'admission. Les signaux sont envoyés au DCE à partir d'un capteur de température d'air d'admission. Un potentiomètre d'accélérateur est relié à l'axe du papillon. Il mesure la position du papillon et sa vitesse d'ouverture. Lors des accélérations, le potentiomètre fournit un voltage croissant au DCE. Celui-ci augmente alors la quantité de carburant fourni en augmentant la longueur de la période de pulsation et en augmentant également le nombre de ces pulsations jusqu'à un maximum de 6 par tour de vilebrequin. Afin d'éviter de noyer le moteur pendant le démarrage, le DCE débite du carburant pendant une quantité limitée de pulsations de l'injecteur. Puis il coupe le fonctionnement de l'injecteur pendant un temps équivalent. La durée de la pulsation pendant cette phase dépend de la température du circuit de refroidissement. Ce cycle marche-arrêt se poursuit jusqu'au démarrage du moteur. Par la suite, le DCE fournit un enrichissement intermédiaire pour la phase initiale de mise en autorotation du moteur.
Cette richesse dépend également de la température du circuit de refroidissement et dure pendant environ 25 secondes. Le DCE comprend un système de programme parallèle. Si un capteur de température est défaillant, un dosage approximatif sera fourni, ce qui permettra au véhicule de fonctionner, bien que les performances s'en trouvent réduites. Un dosage précis de la quantité de carburant fourni n'est qu'une seule partie du fonctionnement de ce système. L'autre élément essentiel est la fourniture d'air filtré. L'air entre par l'intermédiaire d'un coude adjacent au bac de batterie. Il passe ensuite devant un résonateur situé sous la doublure de l'aile avant gauche. Ceci a pour effet de réduire les bruits d'admission. La température de l'air d'admission est déterminée par le fonctionnement d'un volet commandé par dépression. Celui-ci est activé par un clapet thermique situé dans la chambre d'admission. Quand le moteur est froid, on prélève de l'air chaud autour du collecteur d'échappement. Lorsque la température de l'air augmente au-dessus de 30 degrés centigrades, le clapet thermique met à l'air libre le poumon de commande du volet et celui-ci s'ouvre et de l'air froid est alors mélangé à l'air chaud pour maintenir une température d'admission constante. L'air réchauffé passe ensuite à travers le filtre à air, puis vers la chambre d'admission et enfin sur le corps de papillon. Il reçoit alors le carburant vaporisé venu de l'injecteur. Pour maintenir une température minimum du mélange air-essence, la tubulure d'admission est chauffée par le circuit de refroidissement du moteur. La tubulure comprend également un chauffage électrique contrôlé par un contacteur thermique. Ceci permet une utilisation agréable lorsque le moteur est froid. Le chauffage électrique est également contrôlé par le circuit de la lampe témoin de basse pression d'huile afin d'éviter de trop solliciter la batterie pendant la phase de démarrage. Le composant le plus important pour le contrôle de l'air est le corps de papillon lui-même, qui se compose de deux parties. La partie supérieure, qui contient l'injecteur, le régulateur de pression d'essence et les canalisations d'essence. La partie inférieure, où se situe le papillon lui-même, le moteur pas à pas et le potentiomètre d'accélérateur. Le régime de ralenti moteur ainsi que le ralenti accéléré durant la phase de montée en température sont contrôlés par le moteur pas à pas. Ce moteur pas à pas entraîne en rotation un réducteur par pignon qui comprend une came qui, à son tour, fait fonctionner un poussoir pour ouvrir ou fermer le papillon. Le DCE détermine la nécessité d'un ralenti accéléré en se basant sur la température du moteur. À température normale de fonctionnement, le régime de ralenti est de 750 tours par minute. Si le ralenti tombe en dessous de cette valeur à cause des charges appliquées au moteur, le DCE utilisera le moteur pas à pas pour remettre le régime à sa valeur initiale, mais à condition seulement que le potentiomètre de papillon soit en position fermée. Quand le régime moteur augmente au-delà de 1500 tours par minute, le DCE utilise à nouveau le moteur pas à pas. Celui-ci fait ressortir le poussoir de telle sorte qu'en relâchant l'accélérateur, ce poussoir ramène lentement la butée de papillon au repos pour éviter le calage du moteur. Ceci jusqu'à retour au ralenti normal. Le DCE est également informé d'un éventuel état de décharge de la batterie. Il maintiendra alors un régime de ralenti accéléré pour augmenter le débit de l'alternateur. Pour vérifier le fonctionnement du moteur pas à pas, mettez le contact puis coupez-le. Lorsque le contact est coupé, le poussoir doit se rétracter complètement puis s'ouvrir légèrement. Si le régime de ralenti est incorrect, vous devez d'abord contrôler le réglage du câble d'accélérateur ou une éventuelle prise d'air. Un fast-check branché en série ou le COBEST doivent alors être utilisés pour contrôler le système et étalonner le CO si le ralenti doit être réglé. Avec un moteur à température normale de fonctionnement, branchez le fast-check sur la prise diagnostique.
Celle-ci se branche sans perturber le faisceau principal du DCE. Mettez alors le contact et appuyez sur la touche « Start ». L'affichage 33 doit alors apparaître pour une transmission mécanique. Si le code correct s'affiche, démarrez le moteur et laissez-le se stabiliser au ralenti pendant 15 secondes avant d'appuyer à nouveau sur « Start ». Le fast-check entreprend alors une série de tests automatiques du système. Toute anomalie fait l'objet d'un code qui s'affiche sur le fast-check et qui identifie le composant ou le circuit incriminé. Par exemple, un affichage 05 signifie une anomalie au niveau de la sonde de température d'air ambiant. Quand les diodes Test Complete et Adjust s'allument, vous pouvez entreprendre l'étalonnage du CO. Branchez pour cela un analyseur de gaz en insérant le tuyau de prélèvement à fond dans l'échappement. Après avoir contrôlé que l'équipement était chaud et correctement calibré, comparez les valeurs du manuel d'atelier avec celles obtenues sur l'instrument. Appuyez sur la touche négatif ou positif jusqu'à ce que la lecture correcte soit obtenue. Assurez-vous que le ventilateur de refroidissement ne s'enclenche pas pendant l'opération. Laissez le régime moteur se stabiliser pendant 15 secondes, puis appuyez sur le bouton « Set CO ». Vous devez alors voir s'allumer la diode CO 7 et l'affichage 88 sur l'écran. Après ce test, n'oubliez pas de rebrancher la prise diagnostique sur sa douille afin d'en protéger les connexions. Un fast-check de diagnostic complet est disponible pour tester le système totalement. Celui-ci se compose d'un faisceau permettant le branchement en dérivation et il teste non seulement le système, mais le DCE lui-même. Parallèlement, une cassette a été mise au point pour utiliser le Cobest sur ce système. Si pour une raison quelconque, la batterie a été débranchée après calibration du CO, l'information programmée n'est pas sauvegardée. Vous devez alors utiliser le Cobest ou le fast-check à nouveau pour réétalonner votre CO. Néanmoins, en cas d'urgence, le système est apte à s'auto-calibrer. Vous devez alors procéder comme suit et n'intervenir que si le moteur a parcouru plus de 1500 km. Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à enclenchement du ventilateur. Puis, aussitôt que le ventilateur s'arrête, coupez le moteur, remettez le contact et appuyez 5 fois sur la pédale d'accélérateur. Le témoin de température élevée doit clignoter. Lorsque celui-ci cesse son clignotement, démarrez le moteur en retirant votre pied de l'accélérateur. L'écu tente alors un processus d'auto-calibrage qui dure environ 2 minutes. Puis, le témoin de température élevée clignote à nouveau lorsque l'opération est terminée. Le moteur est maintenant étalonné et le CO peut être contrôlé. Quand le CO est étalonné, vous pouvez procéder au réglage du ralenti de base. Vous devez seulement être amené à faire cette opération si un composant a été remplacé ou si le système a été touché. Déposez pour cela la chambre d'admission sans débrancher les tuyaux ou les fils. Débranchez les faisceaux du moteur pas à pas et connectez le fast-check stepper moteur en utilisant l'adaptateur fourni à cet effet. Démarrez le moteur et utilisez le fast-check pour manipuler le disque de papillon. Tournez la vis de réglage pour atteindre le ralenti spécifié. Puis, élevez le régime du moteur à 1500 tours par minute pendant 30 secondes et relâchez lentement le levier de papillon en laissant le régime se stabiliser. Recontrôlez et réglez si nécessaire. Pendant que le moteur pas à pas est débranché,
contrôler le jeu de repos. Régler le cap d'accélérateur jusqu'à ce que d'environ 0,5 à 0,9 mm. Rebranchez le moteur pas à pas et assurez-vous que le DCE contrôle correctement le régime de ralenti. Un dosage correct de carburant et d'air est important, mais le système a également besoin de carburant propre fourni à l'injecteur à une pression correcte. Le système de carburant est de type à circulation continue et fonctionne sous une pression de 1,2 bar. Le réservoir d'essence, comme sur tous les modèles de Rover 800, comprend un système de mise à l'air libre contrôlé par un clapet à double effet. À mesure que le niveau baisse dans le réservoir, une dépression est créée. Afin de préserver la tenue du réservoir, le clapet à dépression s'ouvre et laisse alors entrer l'air dans le réservoir. Si la pression dans le réservoir augmente, par exemple à cause d'une température extérieure très élevée, le clapet de pression s'ouvrira et laissera repartir les vapeurs d'essence dans l'atmosphère. Un condenseur liquide-vapeur qui longe la goulotte de remplissage empêche le carburant d'entrer dans le clapet à double effet et de s'échapper ainsi vers l'atmosphère. Cependant, si le réservoir de carburant est plein et que la voiture est stationnée sur un plan incliné, un clapet de sécurité, constitué entre autres d'une petite bille flottante, constitue une sécurité supplémentaire. La pompe électrique est de type à turbine et elle est placée à l'intérieur du réservoir. Elle comprend une soupape de décharge et une soupape de contrôle de débit de carburant. Celui-ci circule de la pompe vers le filtre, puis vers le corps de papillon. En raison du fonctionnement de ce système à une pression inférieure à celle des autres injections multipoints, une section de fil résistant est utilisée pour réduire le voltage à la pompe et ainsi son régime de rotation. Le relais de pompe est situé sur le tableau de relais sous le tableau de bord. Le relais de pression d'huile est situé, lui, sous le capot. Il interdit le fonctionnement de la pompe si le moteur cale ou si la pression d'huile chute. Quand l'allumage est sous tension, la pompe ne fonctionne pas car la pression d'huile est nulle et le relais de pression d'huile est excité. Il coupe alors l'alimentation du relais de pompe. Pendant la phase de démarrage, il y a une alimentation séparée à partir de la borne démarreur du contact. Puis, l'alimentation parvient à la pompe, à travers son relais. Lorsque le moteur démarre, le contacteur de pression d'huile s'ouvre. Il éteint la lampe au tableau de bord et en même temps coupe l'alimentation du relais de pression d'huile. Ceci provoque l'excitation du relais de pompe qui alimente alors celle-ci en courant. Notez parallèlement que ces deux relais, pression d'huile et pompe à essence, sont de type à 5 broches. Le remplacement de l'un de ceux-ci par un autre type entraînerait des problèmes de fonctionnement. Dans le cas du relais de pression d'huile, le moteur démarrerait puis s'arrêterait. Dans le cas du relais de pompe à essence, le moteur serait difficile à démarrer. Une défaillance de la diode dans le circuit d'alimentation d'essence entraînerait l'arrêt de la pompe à essence. De même que l'interrupteur à inertie, si le véhicule était impliqué dans une collision. Si le carburant entre dans le corps de papillon, il passe ensuite autour de l'injecteur
et est dirigé vers le régulateur de pression. Ce régulateur consiste en deux chambres séparées par un diaphragme. Lorsque la pression atteint environ 1,2 bar, le diaphragme est soulevé, il comprime le ressort et laisse alors passer le carburant sous le siège de la soupape vers la canalisation de retour. Pour contrôler la pression de carburant, déposez le raccord de sortie de carburant du filtre et montez le manomètre avec son adaptateur. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti. La pression doit être comprise alors entre 1,1 et 1,3 bar. Si la pression est basse, un régulateur de pression défectueux ou une pompe à essence peuvent en être la cause. Pour tester la pompe, débranchez le fil du contacteur de pression d'huile, mettez-le à la masse, puis mettez le contact. Empêchez le carburant de sortir du filtre pendant quelques secondes. Si la pression monte alors bien au-dessus des 1,3 bar, la pompe est en bon état. Maintenant, assurez-vous que le système a une bonne pression résiduelle. Coupez le contact et assurez-vous que la pression ne tombe pas de plus de 0,5 bar par minute. Bloquez ensuite la canalisation de retour de carburant. Si la pression résiduelle tient, le régulateur est en cause. Si la pression résiduelle continue de chuter, l'anomalie est située soit au niveau du clapet anti-retour de la pompe, soit au niveau de l'injecteur qui fuit. Attention, ne jamais bloquer le retour de carburant après l'injecteur quand la pompe fonctionne. La pression très élevée qui en résulterait endommagerait le régulateur de pression. L'élément final du système d'injection est l'injecteur lui-même. Il comprend une prise à deux broches qui le relie au faisceau et est maintenu en place par une vis. Deux joints toriques assurent son étanchéité avec le corps de papillon, tandis qu'un filtre très fin empêche que toute impureté ne parvienne au cœur de l'injecteur. L'injecteur se compose d'un électroaimant qui attire une aiguille ramenée par un ressort sur son siège. Cette aiguille dégage la buse de l'injecteur quand l'électroaimant est excité. La précision et l'élégante simplicité du système d'injection monopoint fournissent efficacité et performance dans l'économie. Mais avec le moteur à combustion pauvre d'aujourd'hui, la mise au point revêt une importance toute particulière. La façon dont on prendra soin de ces véhicules et dont on les réglera aura un effet durable sur leur réputation. Grâce à vos interventions et aux soins que vous y apporterez, ce système d'injection monopoint placera ce modèle dans une catégorie à part.